Plutôt travailler pour le développement des territoires, travailler plutôt dans le, voilà, dans le public, le développement durable. Donc j'ai fait voilà, cette année de spécialité. Et donc aujourd'hui, ça fait, donc je suis toujours sur mon premier poste. Ça fait 2 ans et demi que je travaille pour une communauté de communes. Donc on est 60, enfin on a un territoire de 75 communes. Et donc je suis chef du service agriculture et circuit court. Je travaille notamment en étroite collaboration avec les élus du territoire. Pour développer donc des filières agricoles locales à travers la mise en place voilà de ce qu'on appelle un projet alimentaire de territoire. Donc c'est une politique locale qui vise à relocaliser une partie de l'alimentation et de l'agriculture sur les territoires. Voilà donc je sais pas si vous avez des questions qui vous Ben, viennent. moi j'ai des questions parce que là en fait on est passé très vite sur ton parcours, enfin t'es tout de suite venue là sur ton métier, mais déjà en arrivant à l'école, qu'est-ce que tu as apprécié en arrivant à l'école et avais-tu choisi d'ailleurs Vétagroussup? Parce que c'est sans doute la question que se posent nous participants. Bien évidemment, à la suite des concours Avio, voilà, les résultats sont tombés. J'avais pas forcément une idée précise de l'école que je souhaitais avoir. Voilà, en général, quand on est en prépa, on a forcément le nom de certaines écoles en tête de par leur renommée, etc. Mais finalement, voilà, moi, mon objectif, c'était d'intégrer voilà une école. Donc j'avais eu plusieurs choix. Et finalement, mon choix s'est dirigé vers Vétagroussup parce que justement, il y avait une option développement des territoires. Plus en lien avec l'aménagement. Enfin, c'était un peu plus un sujet ouais, transversal. Je me sentais un petit peu plus légitime de travailler là-dessus parce que voilà, je suis pas, enfin, je suis pas forcément fille d'agriculteur. Voilà, donc j'arrivais pas trop à me projeter sur des métiers vraiment dans purement Technique. agricole quoi. Donc voilà. Et puis ensuite, ce qui m'a plu dans l'école, alors bon, ça fait déjà 4 ans maintenant, donc il faut que je me réveille pas, mais vraiment déjà l'intégration. Voilà, c'est une école avec une ambiance très conviviale, avec de nombreux clubs associatifs, donc on arrive voilà, facilement à se faire sa place. Voilà, donc ça c'était vraiment le point positif. Et puis après, voilà, on a vraiment une palette très large de cours, quoi. Donc bon, par moments, c'est pas forcément évident parce que voilà, il faut réussir à trouver ce qu'on veut faire, mais on y arrive. Et voilà, voilà, il y a certains cours qui m'ont passionnée. Voilà, c'est un tronc commun les 2 premières années, donc on va vraiment avoir des cours, c'est très large, quoi. Hein. Si La je me souviens bien, compta. oui, voilà, il y a tout ce qui va être des choses qui me servent actuellement, hein, tout ce qui va être autour de la gestion de projet. Moi actuellement, hein, ce qui me sert beaucoup, c'est tout ce qui est gestion de projet, la connaissance des acteurs du monde agricole. Je travaille quand même actuellement avec eux, donc c'est vrai qu'à travers les stages et à travers les projets qu'on a pu avoir, voilà, on a découvert un petit peu tous les réseaux d'acteurs qui existaient autour de ce milieu-là. Donc c'est vrai qu'en arrivant sur le marché du travail, on est assez à l'aise et on sait déjà vers qui se tourner assez rapidement. Qu'est-ce qui me sert encore? Voilà, tout ce qui va être tout ce qui va être autour de la cartographie, les systèmes d'information géographique. Je sais que dans le cadre de mon travail, c'est quelque chose qui me sert encore voilà actuellement donc on a eu plusieurs semaines de formation là-dessus voilà et puis après
Comment dire, on va pas forcément tout retenir de tous les cours qu'on a eus, mais ça nous donne quand même une base assez solide pour comprendre aussi du coup les attentes et les besoins des agriculteurs et des acteurs du milieu rural. Moi, je travaille actuellement justement sur un territoire rural, donc le fait d'avoir eu des cours en production végétale, en production animale. Ça me permet aussi de mieux comprendre les problématiques des agriculteurs et de du coup d'être capable de répondre à leurs besoins, quoi. Et donc concrètement, qu'est-ce que tu fais, en quoi consiste ton métier? Donc, mon métier, alors, ma mission, elle évolue au cours du temps. Donc, la première année, voilà, les élus sont. En fait, on a une commande des élus. La commande, c'était, voilà, nous, sur notre territoire, voilà, on souhaiterait avoir une photographie de la production agricole, alimentaire du territoire, et on aimerait développer donc les filières alimentaires locales, notamment pour approvisionner la restauration collective en produits, bio et locaux. Donc ça, c'était ma commande et il y avait tout à faire. On n'avait pas du tout de données là-dessus. Mon premier travail, ça a été de réaliser un diagnostic de territoire. Un diagnostic, justement, donc collecter des données auprès de différents organismes en réalisant voilà, des enquêtes terrain aussi, des enquêtes qualitatives et quantitatives. Donc ça, ce sont des choses, ce sont des outils. Qu'on a voilà appris à l'école et dont j'ai pu me resservir pour ce métier. Et donc en fait à la suite de ce diagnostic j'ai pu identifier où étaient les fragilités dans notre système alimentaire local. Et donc l'idée ça a été de faire des propositions aux élus hein, de réaliser des outils d'aide à la décision. C'est aussi voilà des choses qu'on a travaillées avec Agrosup. Donc actuellement voilà on a mis en place enfin il y a un certain nombre de projets qui sont en cours hein, la création d'une légumerie-conserverie. Donc j'accompagne des porteurs de projets pour la création voilà de ce projet-là sur le territoire. Un projet un peu plus complexe actuellement, c'est de la reprise en régie donc de la préparation des repas dans les cantines. Donc c'est comment faire en sorte de comment dire de reproduire de produire localement les repas pour les cantines de nos territoires. On a l'impression que c'est comment dire dans le milieu rural que nos cantines en fait on a une cantinière qui prépare du fait maison tout ça, mais en fait c'est plus du tout ça. L'idée, c'est aujourd'hui de revenir à des choses plus locales pour développer l'économie agricole locale. Donc, c'est travailler en amont avec les producteurs pour structurer des groupements de producteurs. C'est de travailler avec les élus pour voir avec eux quels investissements mettre en place pour refabriquer des cuisines centrales sur nos territoires. Et puis, c'est tout un travail aussi en aval sur l'éducation à l'alimentation avec les équipes de cuisine, mais aussi les équipes pédagogiques, les élus, etc. On est un peu, comment dire, on est vraiment en lien avec énormément d'acteurs et on va vraiment être le coordinateur et le comment À dire le l'interface, à oui l'interface. l'interface voilà d'un grand nombre d'acteurs et après concrètement à côté de ça mon travail ben voilà ça va être de planifier les projets. De faire des budgets aussi pour les projets, de trouver des subventions. Enfin, il y a un certain nombre de choses à côté, voilà, un peu plus administratives qu'il faut pouvoir gérer pour que les projets se réalisent. Et puis après, comme je travaille, moi je travaille dans le domaine public, donc vraiment en lien avec les élus.
Et donc après, il y a tout un travail aussi d'accompagnement des élus, voilà, de bien identifier leurs besoins, de bien à chaque fois remettre, comment dire, en question aussi leur commande et de rediriger la commande en fonction de, voilà, des informations qu'on peut collecter au fur et à mesure. Voilà, et puis lorsqu'on met en place des projets, on va aussi travailler avec des bureaux d'études, des bureaux d'experts, donc ça va être aussi gérer toute cette partie, hein. On est vraiment des chefs de projet. Vous êtes Enfin, de voilà, je ne sais vrais, pas si je vrais suis très claire. ingénieurs. Non, mais enfin, alors Des après, métiers, faites. comment dire, pas faciles à expliquer parce que, en fait, on mène de front plusieurs projets en parallèle avec plein d'acteurs différents. Donc voilà, c'est pas toujours simple à expliquer, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Et c'est ce que vous faites à l'école, ce que vous apprenez progressivement à l'école au travers de plusieurs travaux de groupe, projets de groupe, etc. Et alors ça, oui. Et c'est à ça que sert votre formation, c'est de vous outiller un maximum pour apprendre à communiquer, apprendre à vulgariser, à comprendre des experts, des non-experts, à être à l'interface entre élus, agriculteurs, habitants d'un territoire. Enfin, c'est effectivement de gérer des budgets. Tout à fait, ouais. Il y a énormément de choses. Et sur la partie, je dirais, relationnelle, avoir confiance aussi en soi quand on présente un projet et aussi savoir, enfin, comment dire, il faut savoir, comment dire, guider les élus sur la prise de décision. Donc, il faut être capable de, enfin, il faut avoir assez de confiance en soi pour leur proposer des choses aussi. Se baser, voilà, sur des données du territoire, des données scientifiques, mais on est un petit peu leur pilier aussi, entre guillemets, quoi. Ils attendent des réponses de notre part. C'est pas forcément des gens aussi avec des caractères très fluides et très enfin voilà, des fois on a affaire à des gens qu'on voilà, du tempérament, qui sont pas faciles à convaincre. Et c'est vrai qu'à l'école, en tout cas, sur ma spécialité développement du territoire, on nous a un petit peu initié à tout ça avec des mises en situation. Et c'est vrai que du coup, on est prêt, on est un peu plus prêt à À ça, du affronter. coup, le jour J, à affronter, voilà, tout ça, quoi. Et aussi le fait d'être à l'aise à l'oral, de savoir animer des réunions, parce que, pour le coup, dans le cadre de mon travail, j'anime des commissions d'élus agriculteurs, qui sont pour la plupart des hommes aussi, voilà, d'un certain âge. Il faut réussir à faire sa place et être à l'aise aussi à l'oral, etc. Donc, c'est vrai que à l'école, on fait énormément de projets de groupe, voilà, beaucoup de présentations, de restitutions, voilà, en face de nos commanditaires, etc. Et donc ça nous met déjà un pied dans le milieu professionnel. Ça, c'était vraiment le plus par rapport. Alors en prépa, voilà, on a déjà énormément d'exercices à l'oral avec l'école, etc. Mais c'est, voilà, c'est Ça on n'a reste jamais trop très notre mot à académique. dire. Voilà, Oui, c'est c'est assez. très académique, c'est très théorique. Voilà, là, bon, bah, quand on présente quelque chose, c'est pour un projet concret. Donc, quelles sont les différentes facettes du développement agro du territoire? On va peut-être passer, Kevin, qu'en penses-tu? Parce que l'heure tourne, on va passer un petit peu aux questions, on va laisser. Oui. Complètement. Bah justement, Mélanie venait de lire la première Voilà, question, donc je complètement. lui laisse la parole pour répondre à la personne qui a posé cette Très question. bien. Il y a plein de choses, en fait. Bon, là, par exemple, mon poste, c'est sur le développement des filières agricoles locales, mais il va y avoir tout ce qui touche autour, enfin, tout ce qui touche à l'urbanisme, l'aménagement des territoires. Donc, en gros, accompagner leurs élus à structurer leur projet de territoire, tout ce qui va être plan local d'urbanisme, plus des choses en lien avec l'aménagement des territoires. On a tout ce qui va être en lien aussi avec la transition énergétique. Donc, tous les métiers, alors après, je ne suis pas experte en tout, mais
Oui, tous les métiers en lien avec la transition énergétique. Avec la protection aussi d'un bassin versant ou de... Voilà, Enfin, voilà. par exemple, tout ce qui va être autour des métiers dans les parcs naturels régionaux. Voilà, aménagement paysager, tout ce qui va être aussi. Mince, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Il y a beaucoup de choses. Oui, tout Après, ce qui tu est peux peut-être... tourisme, tout ce Oui. qui est autour du tourisme, l'agrotourisme aussi. Voilà, et donc on peut soit travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé, plutôt dans des bureaux d'études. Voilà. Après, il y en a même des fois qui se dirigent vers tout ce qui est accompagnement à des portages de enfin accompagnement à des porteurs de projets dans le domaine de l'agricole, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. Oui. Il y a voilà, j'ai certains amis qui ont fait la même spécialité et qui vont travailler dans les chambres d'agriculture en tant que conseiller pour la création d'entreprises auprès des agriculteurs ou dans d'autres associations agricoles. Voilà, il y a plein de choses. Je suis sûre que dans la recherche aussi, on a des créneaux, enfin des choses. Oui, Voilà, donc il y je a me beaucoup. souviens plus, mais quelle option exactement il avait fait, mais effectivement, on a des jeunes diplômés qui poursuivent ensuite en thèse. Et j'ai en tête un diplômé qui fait une thèse en économie. Donc, on peut avoir un diplôme d'ingénieur agronome et puis ensuite faire une thèse sur un sujet un petit peu plus, un peu différent, quoi, un peu aux côtés. Donc voilà, c'est un panel assez large. Et je dirais que la différence avec des masters, parce que il en existe des masters en développement durable, mais je dirais que la différence, ça va être surtout sur comment dire la prise d'initiative. Je dirais qu'on est très autonome en fait. En sortant de l'école, on se débrouille vraiment tout seul, quoi. On sait où aller, quoi. Très rapidement, on est vraiment en force de proposition parce que justement, on a été habitué, voilà, à mener des projets. Voilà, les stages aussi, on a pas mal de stages pendant la formation et du coup, bah, on apprend à se débrouiller. Et peut-être que à côté d'autres cursus un petit peu plus voilà théoriques où ils ont moins l'habitude de se confronter au milieu professionnel, on aura peut-être un peu plus de difficultés. J'ai trouvé rapidement du travail. Oui. J'ai trouvé assez rapidement du travail. J'ai pas eu de difficultés. Après, au niveau de la géographie, je ne me mettais pas forcément de barrière. Voilà, j'avais voilà, quand même une prétention salariale minimum, quoi. Mais j'ai assez rapidement trouvé. Après, j'ai fait quand même beaucoup de demandes. Et c'est vrai que souvent, quand on sort de l'école, on demande voilà, de l'expérience, etc. Mais bon, enfin, on trouve quand même. J'ai pas eu de difficulté, non. Alors, on prépare les étudiants, bien sûr, à... pour tout ce qui est CV, lettre de motivation, les entretiens. On accompagne les étudiants et voilà, du mieux qu'on peut. Après, il y a toujours quelques étudiants qui ont un peu plus de difficultés que d'autres, mais parce que sans doute aussi, ils ont des exigences géographiques ou par rapport à un poste très précis. Mais globalement, niveau insertion professionnelle, tout se passe bien. Tout se Alors, passe on a une nouvelle question d'Émilie. bien. Quel est le salaire débutant dans le privé et dans le public? Est-ce que tu as une idée, Sylvie? Alors, le salaire moyen d'un jeune diplômé de Vétagro-Sup, c'est 30 000 euros annuels bruts. C'est un salaire moyen. Après, ça dépend de
tout un tas de paramètres, dans quel type de structure, si c'est une petite structure, une grande structure. Vous ne gagnerez pas tout à fait la même chose si vous allez travailler pour un grand groupe agroalimentaire très renommé, genre Nestlé ou je ne sais pas, et si vous avez en plus un poste commercial ou... et vous ne gagnerez pas enfin, dans des structures publiques ou... Enfin, Mélanie, si ça te dérange pas de Non, non, il n'y a pas de dévoiler. problème. Mais dans le public, hein, donc dans le public, il y a une grille indiciaire, mais en fait, ça dépend vraiment aussi des territoires. Entre Possible. le rural, l'urbain, on ne va pas du tout avoir les mêmes niveaux de salaire. Moi, je vais pas me plaindre, hein, parce que pour un milieu rural, enfin, on pourrait se dire, voilà. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé, je suis à 1900 net. Et donc, on va avoir une revalorisation salariale l'année prochaine, là, en janvier. Voilà, si j'avais été à Paris et que j'avais eu ce salaire-là, je pense que j'aurais un peu... Mais là, disons que ça me va totalement. Enfin, c'est... Tout dépend du cadre de vie que Enfin, tu as autour aussi. pour moi, voilà, ça me convient. Après, dans le privé, ça dépend aussi. Ça dépend vraiment en fait du domaine dans lequel on est. Des fois, dans le privé, dans certains bureaux d'études, il y a des cadences de travail qui sont énormes et le salaire est pas forcément là. Donc, enfin, franchement, là, pour cette question, je ne sais pas trop. Ça dépend Mais là, vraiment. le salaire net que tu m'indiques, C'est après je viens de impôt. faire, voilà, Ouais. je viens de faire le petit calcul. Donc, en annuel brut, tu es à 29 640. Donc, on n'est pas très très loin des 30 000 quand même que j'ai annoncé tout à l'heure. Mais bon, voilà, il y a après, selon les structures, effectivement, des jeunes diplômés qui vont débuter à 32 000 ou 34 000 sans souci, parce que, mais ça dépend vraiment des structures. Voilà. Oui, ça dépend, voilà, ouais. Tout à fait. Et puis moi, c'est pareil. Enfin, j'ai une amie qui travaille, voilà, dans une ville qui est pas très très loin d'ici, qui fait à peu près le même travail que moi. Elle est chargée de mission transition énergétique. Voilà, elle va gagner 2100 net, quoi. Donc, ça dépend vraiment aussi des Des territoires. politiques, ouais, des territoires. Ouais. Parce qu'en fait, on a des primes, hein. Il y a des primes aussi qui ne sont pas les mêmes en fonction des collectivités. Donc voilà. Après, je pense que pour commencer, pour son premier travail, des fois, voilà, pour avoir l'expérience, il faut peut-être accepter par moment, voilà, bah, La ça, et règle du puis... jeu, voilà. Ouais, la règle du jeu, et puis après, voilà, être en capacité de négocier dès qu'on a un peu d'expérience, je pense que c'est plus simple de négocier, mais voilà ce que je peux dire. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, écoutez, on va clôturer cette conférence parce que d'autres conférences vont s'enchaîner. Donc, voilà, merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Sylvie. Merci aux participants et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, Mélanie. Au revoir. Au revoir.